Ici, à Maelia, nous avons plusieurs produits, tels que la visite technique, le contrôle automobile. Nous avons aussi la sécurisation et nous avons aussi l'identification des véhicules neufs. Bon, faut dire que le diagnostic est un produit de Maelia Logistique qui permet à l'usager, avant l'expiration de sa visite technique, d'avoir cette possibilité de venir faire un contrôle sur son véhicule afin de pouvoir déceler tout ce qui est anomalie sur le véhicule et se rendre chez le mécanicien pour d'éventuelles réparations. Maintenant, dans ce cas, si l'usager vient, qui savait que le véhicule ne présente pas d'anomalie, il n'y a pas de défaut, nous avons la possibilité de transformer le diagnostic en visite technique, c'est-à-dire payer le rédicat et du coup, on transforme le diagnostic en visite technique et on délivre son certificat de visite technique. Dans le cas contraire, s'il y a des anomalies, il est vrai que ces anomalies sont notées sur notre rapport d'inspection qui permettra à l'usager de se rendre chez le mécanicien pour pouvoir réparer tout ce qu'il y a comme anomalie sur le véhicule et dans un délai de 24 heures ou 48 heures. Bon, le diagnostic, faut dire que ça peut aller entre 25 à 30 minutes. Ça prend en même temps que le temps de confort d'un véhicule. Parce que nous passons au fin de tout ce qu'il y a comme organe sur le véhicule. Aujourd'hui, la politique, c'est de se rapprocher beaucoup plus de nos usagers. Au sein des Maelia, nous disposons de trois bancs mobiles, c'est-à-dire deux bancs mobiles PL et un banc mobile fixe qui fait en même temps les véhicules poids lourds et les véhicules légers. Et ces bancs mobiles nous permettent d'aller vers les usagers. C'est-à-dire pour un usager qui a une flotte de véhicules, peut venir voir Maelia pour dire, bon, à défaut de me déplacer pour aller sur une station fixe, nous avons la possibilité d'aller vers ce client avec notre banc mobile afin de pouvoir faire la visite technique, y compris tous les produits Maelia au niveau de sa flotte, sans toutefois qu'il se déplace pour venir vers nous. Les particuliers peuvent en bénéficier. Dans la ville d'Abidjan, nous avons choisi des sites sur lesquels nous allons déplacer avec nos bancs mobiles afin de pouvoir faire la visite technique, nous rapprocher beaucoup plus de la population.